Alors ben moi c'est Pierre, je m'occupe de tout ce qui est pépinière aquatique, donc ça reprend en gros tout ce qui est plantation aquatique, même si on a une petite partie terrestre, mais mon gros quotidien c'est vraiment m'occuper de tout ce qui est plantation aquatique de A à Z, dans de l'indigène, dans du filtrant, dans de l'oxygénant, donc le boulot est assez large, il y a tout le temps du boulot en tout cas par rapport à ça. Mais moi je trouve que les plantes sont fascinantes, elles ont une utilité incroyable, on peut les retrouver dans plein de milieux, elles se débrouillent d'une façon géniale. Et donc il y a plein de choses à apprendre, il y a plein d'histoires par rapport à toutes ces plantes. Et justement, avoir toutes les petites histoires m'intéresse énormément. Et voir leur adaptation à plusieurs milieux, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors ça, le choix est assez difficile. Forcément, il y en a beaucoup que j'aime bien dans ces plantes-là. Mais une qui ressort clairement du lot, c'est la Ranunculus aquatilis, qui est une plante oxygénante, très filtrante, et en plus de ça, elle est fleurie, donc ça donne vraiment un bel effet dans tous les bassins, et ça se développe quand même vraiment bien. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à venir nous voir, les plantes en valent clairement la peine, et le mieux c'est de venir les voir évidemment pour les choisir.